Alors, c'est Dead Space 2023 Electronic Arts, c'est marqué. Hein. 2023 Electronic Arts, on voit. Dead Space. Bonjour, le petit caillou, c'est Pierre qui roule. Donc, c'était en train de regarder de quelle année se datait ce jeu. D'après ce que je vois, c'est un remaster. Puisque le titre reste le même. Hein, il n'y a pas Dead Space 1, 2, 3, 4, tout ça. Et tout en bas, c'était marqué 2023 Electronic Arts. Donc, un remaster de cette année. Je ne connais pas du tout la licence Dead Space ni les jeux Dead Space parce que je n'aime pas du tout les jeux glauques, sombres ou d'horreur. Je les fuis comme la peste, ça m'intéresse pas. C'est comme les films d'ailleurs, je ne fuis pas les films d'horreur, ça m'intéresse pas. Je veux bien des films d'action avec des vampires comme Dracula ou avec des loups-garous comme Underworld, voilà. Des Resident Evil bien bourrin en film d'action où c'est tellement bourrin que les monstres ils font pas peur parce qu'il n'y a pas de séance trop stressante ou il y en a qu'une petite, voilà, rien du tout. Des films avec des zombies complètement loufoques, oui ça va. Trop sérieux, non, ça m'intéresse pas parce que je déteste les zombies. Donc voilà, donc on va prendre l'histoire parce que déjà Dune, c'est un jeu que j'aime pas du tout. Et en général, les jeux, je les joue en facile ou en mode histoire. Parce que je veux pas être frustré, je veux avoir une fin. C'est plus mon, pas moi, mon paramètre à moi. Plus le paramètre. On peut choisir le mode préférence. Ou pas, il y a rien d'autre. D'habitude, il y a le mode préférence ou mode qualité, mais là, bon, bah, chier quoi. Bon, voilà, on va arrêter comme ça. Et donc, on regarde bien si c'est bon. Et continuer. Donc, lancer une partie. Voilà, alors luminosité, ajuster luminosité jusqu'à ce que l'image à gauche soit à peine visible. Alors, bon, elle est même pas à peine visible, elle est même pas visible. Ah, voilà, donc là, à 56, elle est visible. À peine, ça serait à 50, oui. Moi, je vais la mettre à 51. Hein, parce que j'aime bien, voilà, ou à 52. Et c'est parti, je me tais. Chut. Isaac, c'est moi. J'aurais aimé te parler, mais je suis désolée. Je suis désolée pour tout. J'aimerais juste pouvoir parler à quelqu'un. Tout s'écroule ici. J'arrive pas à croire ce qui se passe. C'est étrange. Ces petites choses. C'est elle, Nicole? Ouais, ça faisait des semaines que j'avais pas de nouvelles. Eh ben, t'es toujours en train de faire tourner ce truc en boucle. Elle doit vraiment te manquer. Une mission sur l'Ishimura, ça ne se refuse pas. Mais 6 mois sans se voir à se parler que par vidéo, c'est dur. On peut facilement dire une bêtise. Je te blâme pas. Moi-même, j'écouterai ma petite amie plutôt qu'Amond et ses protocoles de sécurité. Un homme averti en vaut deux, Daniels. C'est ce que vous dites continuellement. Et voilà, sans encombre. Imaginez-vous 6 mois en tête à tête avec ce caillou. Pour un mineur indépendant, c'est le paradis. Le J7 est l'une des plus grandes découvertes de la CEC. L'équipe de prospection a touché le jackpot. Bon, où est-ce qu'elle est? Le voilà. Contact visuel avec l'USG Ishimura confirmé. Quelle merveille. Le plus grand brise-surface de l'univers. Apparemment, le travail a commencé. Pourquoi le vaisseau est si sombre? On devrait pouvoir voir ses lumières. Ouais. Je vais nous mettre à portée. On doit être attendu. Mais soyez prudents à l'approche. Je veux pas qu'on prenne de risques avec la plus grande fierté de la CEC. Aucun risque, hein.
C'est pour ça que vous fouillez dans mes dossiers perso avant de partir? Vous surveillez les accès à vos fichiers? Je suis analyste informatique, ça fait partie de mon travail. Rien d'autre que des contrôles de routine de la CEC, Daniels. Si vous voulez jouer dans les hautes sphères, il faut connaître les règles. Monsieur, on est à portée d'appel. USG Ishimura, ici l'équipe technique d'urgence de l'USG Kellyon envoyée suite à votre appel de détresse. À vous, Ishimura. Ishimura, vous nous recevez? Répondez. Ici USG Kellyon. T'as déjà entendu parler d'une panne de communication sur ce genre d'engin? Non, jamais. Allez, que quelqu'un décroche, bordel. C'est quoi ça? Leur antenne de communication à l'RHS. Peut-être un problème d'encodeur. Daniel et moi pouvons nous en occuper en 48 heures max. Eh, comme ça tu pourras rattraper le temps perdu avec Nicole? Ouais, j'espère. Jen, Johnston, approchez-nous. Attache gravitationnelle activée. Atterrissage automatique. Ça vient. Je perds le contrôle. Anomalie. Merde! On est hors trajectoire! Daniel! Le forçage du système de pilotage ne répond pas. Merde! On arrive trop vite! On va s'écraser sur la coque! Chef! Stabilisateur d'urgence! La lumière bleue, là! Ça nous ralentira peut-être! Compris! Laissez tomber les boucliers! On s'accroche! Bonne idée le stabilisateur, Isaac. Heureusement que je lis toujours le manuel. Bordel, il se passe quoi avec la salle de contrôle? Ce système de pilotage va nous tuer. Un truc à ajouter à ta liste de réparation. Jen, quels sont les dégâts? Les communications sont mortes, on a perdu le propulseur. On a un stabilisateur en feu. Le réacteur est foutu. Ça pourrait être pire, mais pas de beaucoup. Allons chercher de l'aide. Johnston, restez sur le Kellyon. On va envoyer un médecin. Les autres, avec moi. Ah, re, les petits cailloux. Bon, ça y est, ça va commencer enfin. Mais c'était pas mal. La cinématique était bien. Moi, j'ai bien aimé. Hein, c'était pas trop moche. Bon, voilà le casque du mec. Hein, ceux qui connaissent Dead Space, ils vont connaître le casque. Moi, je le connais pas. Voilà. C'est la première fois que je vois. Pas la première fois, mais bon. Voir le menu de mission. T'as oublié un truc? Ok. Comment va ta cheville? Ça fait un mal de chien. Et... mais je connais bien. Tu on verra sur le... Je gère. Voilà. Ok. On s'est scratché, on n'est pas mort. D'accord. Est-ce qu'il peut courir, bonhomme? Il n'a pas l'air. Éloignez-vous. Il court pas. Merde, on s'est bien écrasé. Par où on sort? Là? Oh là, ouais. Aussi par là. Voilà. Ah. On va pas le ramasser ça? Non. Bon, ça y est, on peut pas. Je croyais que j'étais dans Starfleet, j'ai ramassé des trucs, tu vois. Là, il y a quoi par là? Ah, bon, mon bonhomme, il court pas vite. Hein. Est-ce qu'il court peut-être? Non, 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 non. Pour l'instant, il court pas. Bon. S'il se déplace aussi lentement, ça va être chiant. Bon, j'ai 3 gus avec moi. Ça, c'est bien. Ouais. Par contre, s'il reste pas ou qu'il crève, ça va être moins bien. Ça va vraiment être beaucoup moins bien. Ils
ont des armes, les deux premiers. Pourquoi moi j'ai pas d'armes? Mais oh, j'ai pas d'armes. Puis qu'est-ce que fout la gonzesse, ça se balade en short. On a tous des... Moi je suis seul à avoir une combinaison. Ah non, les deux autres ils ont une combinaison. Elle se peinard, elle se promène en, en jean et en pull, tranquille. Voilà. Autant voilà. Se connecter. Tu vas me dire. Je pense qu'ils sont foreurs, mais on est dans l'espace. En l'espace, il y a toujours des ennemis. Oh, c'est une poubelle. Ouais, c'est ça. Isaac, venez synchroniser votre rig. Isaac, venez synchroniser votre rig. Isaac, venez synchroniser votre rig. J'arrive, je regarde un peu ce qu'il y a, c'est tout. C'est quoi des instructions? Bienvenue à bord de l'USG Ishimura, Isaac Clark. Rig synchronisé. Récupérez les modules de télékinésie et de stase auprès de l'ingénieur en chef Jacob Temple. Localisation. Erreur. Employé non trouvé. J'arrive pas à joindre la sécurité. Pareil pour l'ingénieur en chef. Qu'est-ce qui cloche avec leur communication ? Où les armes? Pas d'armes? Dégueulasse. Déverrouillé. Pas de lampe, rien. Ouais, allume un peu, hein, parce que moi, sans lumière, ça va pas me gueuler. Des crédits. Alors, tu m'expliques que ça va me servir à quoi d'acheter, d'avoir des crédits dans un... Oh là là, c'est, parfois, c'est un peu n'importe quoi. De l'argent. Ouais, j'ai trouvé de l'argent. J'espère qu'il y aura... Sauvegarde. Celui-là était pressé de partir. Où est l'équipe de sécurité? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Rien d'enregistré. Aucun tableau de service et pas de courant dans l'ascenseur. Pour l'amour de Dieu. Cette console fonctionne toujours. Isaac, évaluez les dégâts. J'ai pas envie de jouer. Vous sentez ça, vous aussi? Sentir quoi? Comme si un truc était mort dans les conduits. Ah. Bien sûr, je suis droit pour... Okay. Si je peux voir pourquoi ça marche pas. Il y a quelque chose par terre. Est-ce que c'est... Isaac, je veux ce rapport de dégâts. Ah d'accord, le R c'est pour OK. Oh bordel, cette odeur. Qu'est-ce que vous avez, Isaac? Merde. Il n'y a pas que les communications et le système de pilotage. La moitié des Ishimura est HS. Les moteurs, la coque, les trames. Qu'est-ce qui pourrait faire autant de dégâts à un brise-surface? Oh. OK, j'ai trouvé du courant. La ventilation fonctionne, l'ascenseur devrait pas tarder. Anomalie dangereuse détectée. Quarantaine activée. Encore un problème? Non. Les systèmes de quarantaine sont tous en état. Attendez. Vous avez entendu? Ouais. Ils vont se faire déchirer la gueule. Tout le monde se calme. Daniel, réactivez ces ascenseurs. Il n'y a pas que nous ici. Ah, c'est quoi? Ah putain, c'est dégueulasse. Oh, c'est dégueulasse. Et alors, regardez mon personnage, il est impassible, il bouge pas. Tirez-vous d'ici! C'est bon, allez! Isaac!
Ouais, bon, on va arrêter là vite fait, je le sens. Plus on voit rien. Et ça m'a foutu déjà les jetons. C'était dégueulasse et ça m'a foutu les jetons d'enfer. Donc oui, on va vraiment arrêter rapidement, je crois. Charge à jeu de faire les gens de faire un test. On n'a pas d'armes, que dalle. On n'a aucune arme. C'est quoi ce jeu de merde, on n'a pas d'armes. C'est quoi ça? Ça c'est quoi? Culture passive. C'est déjà ça. Ah ouais, c'est du Legoland. Ah ouais, c'est Legoland. Culture passive, il fait du... Ouais, il a monté ensemble. Oh là là, splendide. Déjà, on a une arme. LTVC. Ok. Hein? Un peu ce que c'était, et voilà. Si vous aimez bien, tant mieux pour vous. Plus on voit rien. Dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. C'est... Ah, on va arrêter là. Bon, vous avez vu ce que c'était, c'est bien. C'est un test des tests. Hein. Un test des tests, ça dure 5, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes s'il est vraiment bien. Là, il est dire 20 minutes. Hein. Donc, digne d'une série X, non, parce que je pense que vu les graphismes, une Xbox One, ça fait l'affaire. C'est pas non plus un triple A, hein, faut pas dépétonner. En plus, des graphismes sombres. Ouais, ouf, enfin, voilà. Et puis, bah, c'est un jeu pour ceux qui aiment les jeux d'horreur. Moi, c'est pas mon truc, ça m'a déjà fait flipper là, ça sert à rien. C'est pas la peine d'avoir un mauvais week-end. Sur ce, bah amusez-vous bien avec ce jeu-là. Moi, c'est pas mon truc. Mais, jeu de merde. Non, mais ça fait quand même pas partie pour autant des 1% du Game Prout qui sortent du lot. Parce que c'est juste un remaster d'un vieux jeu, donc d'accord, et peut-être un peu plus beau qu'avant. Enfin, tout est sombre et tout est glauque, hein, donc on voit pas de belles couleurs. Moi j'aime bien les jeux colorés avec des couleurs qui pètent et tout. Donc voilà. Alors. Sur ce, bah, je vous souhaite un bon week-end, amusez-vous bien. Et à plus dans l'Airbus, les petits cailloux. Ciao, ciao.